Donc aujourd'hui, on vient au bout de bac de Baraqueville dans l'objectif d'avoir une approche au niveau de la jeunesse sur l'état vivant des animaux. Aujourd'hui, en boucherie, on a moins l'occasion de le rencontrer. Et donc ça permet au niveau de la formation de leur apporter ce plus et de voir la conformation, l'état d'engraissement qu'on peut avoir en vif. Donc voilà, c'est une bonne opportunité. Baraqueville est à côté de Rodez, donc on a profité pour faire ça. Oui, ils sont nombreux, ils sont une quinzaine. C'est des BP deuxième année, donc ça fait 4 ans qu'ils travaillent dans en boucherie, donc ils sont tous déjà ouvriers bouchers. Ils font une formation complémentaire pour être ouvrier qualifié. Et donc là, ils vont nous aider ce matin à préparer un petit peu le petit déjeuner qu'on a organisé via l'association des jeunes bouchers. Et voilà, donc ils vont faire ça, préparer une vitrine, faire un peu de déco, une pseudo-animation qui permet aux autres professions comme les agriculteurs de voir un peu vers où va leur bête. Quoi. Et après on partira donc en fin de matinée normalement voir les bêtes vivantes avec des professionnels pour les former, pour un peu leur apporter ce petit plus qu'on peut avoir dans notre travail. Je m'appelle Georges Lydie, je suis en bac pro boucherie, je travaille à la boucherie Trinquier à Villefranche-de-Rouergue. Moi pareil, BP boucher à la boucherie Trinquier à Villefranche-de-Rouergue. D'accord, donc qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui? On est venu voir comment ça se présentait une foire et voir la vente aux enchères, comment ça se passe. Et filer un coup de main pour préparer la vitrine et servir à manger. Pour tout ce qui est décoration, montage du rayon. D'accord. Donc qu'est-ce que ça a vous apporté concrètement cette journée, justement, le fait de pouvoir voir les animaux rentrer dans un concours Pour voir à quel prix elles se vendent, pour voir les enchères. Après, bon, c'est nous qu'on va les travailler et voir à quel prix vont sortir à la boucherie. D'accord, c'est une bonne journée de pratique pour vous? Ouais.